Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vais maintenant vous faire une vidéo d'un destroyer sur le jeu World of Warship. C'est un destroyer, le Gnevni, le destroyer de rang 5 russe. Attention à ne pas faire attention quand même, le destroyer, les différents destroyers de chaque nation ont chacune leur spécialité. Les destroyers japonais tirent leurs torpilles de très loin mais ont des canons médiocres. Les destroyers américains ont de très bons canons, mais des torpilles avec un peu moins de portée. Et bien sûr, le contraire des japonais, les destroyers russes sont des bateaux anti-croiseurs. Donc vraiment des bateaux très rapides. Leurs torpilles ne sont presque pas utiles étant donné qu'elles n'ont que 4 km de portée. Par contre, ils ont vraiment des canons dévastateurs, les petits destroyers russes, bien sûr, hein, ça sert à rien de tirer sur les navires, sur les battleships. C'est vraiment, comme je vous ai dit, fait pour taper sur du cruiser, voire même les plus petits encore, les destroyers, mais rien d'autre. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y avait un petit destroyer qui était spoté. Le Nicolas qui me tire dessus avec ses torpilles alors que le mec, il ne sait même pas du tout où est-ce qu'on est. Vu qu'étant donné que jusque-là, je n'avais pas encore été spoté, il ne pouvait pas savoir que j'étais là. Et donc, il essayait de torpiller une personne qu'il ne voyait pas, en fait, en quelque sorte. Vous pouvez le voir, là j'ai pas fait très attention, je vais me manger le mur. J'espère que l'autre qui est derrière moi ne va pas en profiter pour m'en mettre plein la tête. Parce que, entre destroyers, hein, bien sûr, généralement une torpille ça suffit à en finir. Hein. Comme vous le voir, je viens de commencer à charger des AP, donc des obus pénétrants exprès pour pouvoir taper dans le Svietlana. Parce que de taper dans un cruiser, hein, franchement, y a rien de mieux que de taper à l'AP. Bon, déjà, j'ai eu pas de chance. Il a fallu que l'Isislav se montre d'abord, donc j'ai tapé à l'AP dessus, mais je fais pas beaucoup de dégâts. Hein. Bien sûr, il faut pas trop se montrer parce que sinon, hein, ça peut vite dégénérer un cartonnage pour votre part. Vous pouvez mourir très très vite, hein, dans ce jeu, il faut vraiment faire attention. Je vais essayer de m'occuper d'ailleurs en parlant de ça du Nicolas qui va être juste devant moi. Je vais recharger les HE pour pouvoir le cartonner. Bah, mon allié s'en est fait un petit déj de ce petit bonhomme.
Oh oui. Et voilà, celui-là, il était à moi. Comme vous pouvez le voir, hein, j'étais pas du tout prêt à... Je ne pensais pas du tout l'avoir, mais apparemment, il a bel et bien été à moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'imbécile, hein, j'ai foncé droit sur le mec, et surtout qu'il a eu de la chance en me tapant à l'avant, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à m'endommager mon gouvernail et mon moteur, ce qui fait que je n'ai point pu manœuvrer pour partir, tout simplement, ou pour manœuvrer pour essayer de faire ce qui était mon idée à la base, donc d'essayer de le ramer, donc de lui rentrer dedans pour partir ensemble, pour pas que je ne parte tout seul. Mais ça n'a servi à rien, comme vous avez pu le voir. Donc voici pour la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé la vidéo et d'aller voir les vidéos de mes collègues. Bonne soirée à tous, au revoir.